Chers amis, bienvenue sur nos ondes et plus particulièrement dans notre émission « Vivre sa foi ». Alors, nous avons dressé le portrait de notre invité. Je vous demande de suivre tout cela en images. Every drop of rain that falls, a flower grows. Bonjour, je m'appelle Priscilla. J'aime louer le Seigneur et j'aime aller à l'église. J'aime également aller sur Facebook comme la plupart des jeunes. Fille de pasteur, Priscilla a grandi dans une famille chrétienne. Mariée à Lewis, c'est ensemble qu'ils suivent ce chemin tracé par Dieu, les menant vers l'éternité. Pour elle, témoigner pour Dieu est important, car c'est auprès de lui que nous pouvons trouver succès et réussite. Bonjour sur notre plateau, nous sommes avec notre amie Priscilla. Priscilla, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, tu es fille de pasteur. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait d'être fille de pasteur? Alors, justement, être fille de pasteur, c'est un privilège pour moi, étant donné qu'on nous a éduqués depuis notre plus jeune âge dans le christianisme. Et on a également beaucoup voyagé. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu vos itinéraires? Où est-ce que vous êtes allé d'abord? Alors, dès mon plus jeune âge, on a commencé par Huahine. Et de Huahine, nous sommes allés vers Papeari, me semble. Et ensuite, Papeari, nous sommes partis à Tarabao. Et ensuite, nous sommes partis pour les Philippines pendant 2 ans. Jusqu'aux Philippines. Voilà. Vous êtes allée parce qu'on vous a muté là-bas? Voilà, exactement. Et comme mon papa aussi, en fait, il voulait faire des études approfondies par rapport à la théologie. Exactement. Est-ce que c'était pas trop dur pour toi, les Philippines? Oui, au début, c'était difficile parce qu'on n'était pas encore adapté par rapport aux personnes qui étaient là-bas. Et au niveau aussi de l'alimentation, parce que c'est pas pareil comme à Tahiti. Ensuite, on s'est adapté petit à petit et puis on a essayé de manger comme si on était à Tahiti. et au niveau des mentalités, de votre entourage là-bas, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, en fait, ça s'est bien passé parce qu'on vivait dans un campus adventiste. D'accord. Et donc, on était entouré justement que des adventistes. Et il y avait beaucoup de spiritualité justement là-bas, tous les week-ends, pour les jeunes et ainsi pour les adultes. Et tu avais quel âge à peu près lorsque vous étiez aux Philippines? Alors, j'avais 10 ans. 10 ans, et tu te souviens encore de tout ce que vous faisiez là-bas? Exact. Est-ce qu'il n'y a pas une petite anecdote que tu aimerais partager avec nous, une petite expérience? Si. En fait, je me rappelle justement d'une expérience qu'on avait vécue aux Philippines. Alors, une fois, on avait organisé une randonnée dans les montagnes des Philippines. Et donc, ce jour-là, on avait fait la prière avant d'aller. Et lorsque nous sommes partis sur la montagne, on devait aller justement jusqu'au pic. On n'a pas pu atteindre parce qu'en fait, il pleuvait à torrents. Et on était tous mouillés, il y avait la boue. Et en fait, on était 200 jeunes. 200 jeunes, c'est voilà, beaucoup. Voilà, 200 jeunes. Et on était accompagnés par quelques cadres. Mais ils n'étaient pas beaucoup. Et en fait, ce jour-là,
comme on n'a pas pu atteindre le sommet, on est retourné encore. On a fait demi-tour et ensuite, on a rencontré justement des difficultés. Par exemple, on a rencontré un animal, ça s'appelait le lidge. Alors, je ne sais pas comment il faut dire, mais en français, le lidge, en fait, c'est comme un vampire. C'est-à-dire, il vient dans ton... il pénètre dans ta peau et il suce le sang et ensuite, il retourne vers l'extérieur. D'accord. On avait beaucoup sur nous et on ne pouvait même pas retirer comme ça. Il fallait avoir le feu pour retirer. Rien à voir avec les moustiques d'ici. Non, rien à voir. D'accord. On les appelait les vampires, quoi. Et il fallait un traitement spécial pour... En fait, il fallait juste avoir un briquet pour pouvoir les chasser de notre corps. Des fois, ils restent à l'intérieur de notre corps. D'accord. Voilà, et ensuite, ils retirent lorsqu'ils ont bien aspiré notre sang. Et donc, qu'avez-vous fait alors par la suite? On avait vu qu'on ne savait plus par où il fallait rentrer parce qu'il y avait deux chemins. D'accord. Et ensuite, justement, il y avait un ami qui s'appelle Tavake. Et donc lui, il avait remarqué justement dans les deux chemins, parmi les deux chemins, il y avait des traces de pas. Voilà, de pas, et surtout de tennis, de football en fait. Mmh. Et quand il avait vu, il a dit, c'est par là qu'on est passé, parce que nous on a mis des chaussures de football. Alors c'est par là qu'on a pu retrouver notre chemin de retour. D'accord, voilà. Et quels étaient tes sentiments à ce moment-là vis-à-vis de Dieu? Je voyais que en fait Dieu il était toujours là et qu'il nous a accompagnés tout au long de notre aventure justement dans cette montagne et que malgré des difficultés il a toujours été là pour nous secourir. Voilà. Ensuite vous êtes revenu des Philippines, vous êtes resté deux ans, c'est deux ça? Deux ans, exact. Vous êtes revenu des Philippines et ça a continué vos petits voyages on dira, oui. Mais au sein de la Polynésie. Voilà, alors. Exact. Donc vous n'avez plus été plus loin. Non, non. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta rencontre avec le Christ? Alors, ma rencontre avec le Christ, ça s'est passé justement lorsque j'avais l'âge de 9 ans. Parce que justement, je me suis baptisée à 9 ans. Et déjà à cet âge-là, j'avais déjà rencontré quelques difficultés au sein de ma famille. Et donc, ensuite, je voyais plusieurs jeunes se baptiser. Et ensuite, je disais, yeah, c'est carrément top. Tu vois, à cet âge-là, on dit, yeah, il y a du monde qui se baptise. Et puis mes parents, ils disent, mais pourquoi tu parles de baptême? En fait, justement, je suis intéressée de me baptiser. Et ensuite, mon papa, il a dit, c'est toi qui vois. Si tu veux te baptiser, tu as le choix. D'accord. Ensuite, je me suis lancée, je me suis baptisée justement à l'église de Thiaré avec Mila et Emilia, qui sont des jumelles de l'église de Thiaré. D'accord. Voilà. Et jusqu'à ce jour, tu es dans l'église adventiste. Exact. Alors, est-ce que tu peux me dire, nous parler un peu de tes fonctions au sein de l'église? Depuis l'année dernière, j'avais commencé à prendre des fonctions. Alors, j'étais secrétaire de l'église. Et en même temps, responsable de communication et responsable de la chorale de la jeunesse. De la chorale de la jeunesse. Exact. Ça fait pas un peu trop lourd pour toi ou... Au début, si, je me disais, c'est trop lourd. Mais en fait, après, quand tu as l'Esprit de Dieu à travers toi, tu penses plus en fait que c'est difficile. C'est une charge, je prends les choses au bon côté. Du bon côté. Voilà. Et surtout quand tu sais que tu as le soutien de Dieu. Exact. Alors Priscilla, avant d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre notre amie Tuterari, qui est allée rencontrer plusieurs jeunes pour leur poser cette question. Tuterari, c'est à toi. Je ne sais pas du tout. Bon... je sais pas. Qui est Jésus pour toi? Bof. Je sais pas. C'est notre sauveur. Oui. Même oui, pas, c'est notre sauveur. Si, c'est notre sauveur. On nous l'a dit quand on était petits. C'est notre Dieu. C'est une personne qui a créé le monde. Voilà. C'est une personne qui est morte pour les gens. Je sais pas, en donnant sa vie, elle nous donne une nouvelle vie. Elle donne une nouvelle vie. Le sauveur de l'humanité, le sauveur de tout le monde, quoi. Voilà. C'est donc ton sauveur aussi? Oui.
Jésus, c'est d'abord c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer en cas de difficulté et en cas de joie, bien sûr. Et quelqu'un à qui je peux demander conseil. C'est surtout un ami proche pour moi. Nous revoici sur notre plateau. Merci encore Touterari. Alors Priscilla, tu as entendu les réponses de ces jeunes. Est-ce que tu peux maintenant nous donner ta réponse à toi? Qui est Jésus pour toi? Alors Jésus pour moi, il est tout. D'abord, il est mon sauveur. Il est le créateur de l'univers. Et il a été un ami très proche pour moi. Est-ce qu'il y a une expérience que tu aimerais nous raconter par rapport à cette relation que tu as établie avec lui? Oui. Alors, quand j'étais au lycée, en première, il fallait passer le bac de français, le bac blanc. Alors, moi, au début, je me disais, c'est dur le bac, comment ça va se passer, tout ça. Et ensuite, avant d'aller justement à mon oral de bac blanc, de français, je suis allée étudier dans la nature, quoi. Et ensuite, j'ai fait ma prière. Et quand je suis allée justement passer mon épreuve de bac avec le jury, elle était... Enfin, moi, d'abord, j'avais le stress. Et ensuite, d'abord, il faut préparer comme ta copie. Voilà. Il faut préparer ton brouillon, tout ça. Déjà, sur le brouillon, je n'avais rien écrit. D'accord. Et ensuite, arrivée devant la femme, quoi, la juriste, elle me disait, alors, est-ce que tu es prête? Oui, oui, je suis prête. Et ensuite, elle me parlait et... Ensuite, c'est là que j'ai ressenti que Dieu, il était avec moi. Parce que toutes les réponses que la femme me posait... Toutes les questions. Voilà, toutes posées. Les questions. Les réponses venaient dans ma tête facilement et j'arrivais à la parler automatiquement, sans me bloquer, en fait. Et c'est par là qu'à la fin, elle me disait... C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est vraiment assuré, rassuré de ce qu'elle dit. Et donc, elle était carrément contente. Et ensuite, quand j'ai reçu mes notes, c'est là que j'ai su que j'étais la première de la classe dans mon bac blanc de français. Et donc, du coup, c'est là que j'ai su que Dieu était vraiment avec moi. Et s'il n'était pas là, je me serais plantée. Ça, y a rien à dire. Tu as fait ta part, quand même. Voilà, j'ai fait aussi ma part. Donc, Dieu fait sa part, moi, je fais ma part. D'accord. Et donc, voilà. Tu as réussi également le bac. Exact. Eh bien, je te remercie pour ce témoignage parce que justement, beaucoup de jeunes passent des examens et souvent, ils vont avec leur propre force. Mm-hmm. Alors qu'on sait très bien qu'on ne peut que réussir si on s'unit avec la force divine. Voilà. Tu peux confirmer ça. Oui. Alors, avant de terminer notre émission, est-ce que tu aurais un message à adresser à toute cette jeunesse qui nous suit? Alors, voilà, j'encourage à tous les jeunes, justement, quand ils veulent avoir un projet, quoi que ce soit, il faut mettre dans les mains de Dieu, car lui seul connaît notre vie, lui seul connaît ce qui va nous arriver. Et donc, il faut beaucoup prier. Beaucoup. Voilà. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Je te remercie, Priscilla, pour d'avoir accepté notre invitation. Et merci également pour ce beau témoignage que tu nous as fait part. Et je t'encourage pour la suite de ton cheminement avec le Christ. Quant à nous, chers amis, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité.